Les enfants qui utilisent le système Look to Learn sont des enfants qui n'ont pas accès au langage verbal et qui ont très peu de motricité. Le but du logiciel, c'est de permettre de pouvoir avoir un effet grâce à leur regard sur leur environnement. Selon les jeux, il peut balayer l'écran ou alors aller viser des tartes à la crème par exemple. C'est une activité qui est ludique, donc on observe beaucoup de plaisir chez les enfants. C'est-à-dire qu'ils jouent avec son regard, le regard est la souris de l'ordinateur. Et celui-ci, il est un peu compliqué. Donc c'est là où on est. Il faut normalement qu'il en réussisse 3. Vas-y. Dans les priorités nationales, il y a l'accès à la citoyenneté. Et pour être citoyen, encore faut-il pouvoir exprimer ses choix, dire oui ou dire non. Super. C'est bien. Elle aime bien celui-là. Hein. Okay. C'est très bien, Hélène. Super. De savoir juste si elle a mal, si elle a faim, si elle a soif, si elle est fatiguée. Voilà, déjà le minimum. Après, on verra.